Les aiguilles bougent un petit peu dans les sondages. On en a un nouveau, donc, à se mettre sous la dent, mené en fin de semaine. Un sondage léger qui a sondé notamment les intentions de vote. C'est un peu l'apéritif qu'on vous sert ce soir. Dans notre jour des analystes, nos analystes qui sont en feu. On le voit tout de suite. <rire> <rire> Allez, Sophie. Allons-y avec les faits saillants. Euh, la CAQ qui remonte un peu là, de deux points. Québec solidaire qui en perd quatre. Coup de jeunes qui regarde ailleurs. Quelle est votre fine analyse sur ces mouvements, euh, messieurs, dames? Et Emmanuel, vas-y. Ah, oh, mon Dieu. Euh, <laughs> moi, ce que je retiens avant tout, c'est premièrement que euh, Paul Sepia Plamondon a atteint son, son, plafond, son plafond pour l'instant. Euh, les gens vont dire, bien, parce mm. qu'il a causé la controverse la semaine dernière, il n'a pas monté. Mm. On pourrait dire aussi, parce qu'il a causé la controverse avec ses propos sur euh, la violence, l'asservissement du fédéral, euh, il n'a pas baissé non plus. Donc, il, est, il a une zone de confort, il a fait le plein. mais... Tout le mmh. défi est devant lui, là. Et ça, c'est important. Puis moi, je vois une très grande fragilisation euh, de Québec solidaire. Ouais, parce que oui, le vote mmh. des jeunes euh, est, plus, est plus fragile. On le voit parce qu'on mmh. en perd au détriment du Parti québécois. Du PQ, Mais aussi parce qu'il y a des votes fédéralistes qui sont stationnés chez Québec solidaire. Puis est-ce que cet appui-là est vraiment solide ou mmh. est-ce qu'il va retourner au, au Parti libéral? Mmh. On sent clairement là, que QS a de la misère à s'imposer mmh. dans le débat. Mmh. Ce mais moment. Pour, la mmh. CAQ, pour la CAQ, euh, bien sûr, un sondage au une ne fait pas le printemps, mais pour la première fois depuis euh, à peu près six mois, donc il euh, y a une légère remontée. Donc mmh. la, la CAQ, qui a tout le moins dans ce sondage-là cessé de descendre, reprend un peu de poids de la baisse, je vous dirais, le patient est toujours malade, mais son état semble stabilisé, ce qui est le premier pas vers... Euh, éventuellement une remise en forme, mais effectivement pour le Parti québécois. Et là, je vais faire un peu d'opinion avec Emmanuel sur le, le Parti québécois, c'est que euh, je regarde un peu dans tous les groupes d'âge maintenant, le PQ mène où est talonne celui qui est devant le Parti qui est, qui est devant le PQ, en l'occurrence les, les plus jeunes, 18-34 ans. Il y a plus que trois points d'écart entre Solidaire et, et le Parti québécois. Et il y a une montée euh, et il y a encore euh, potentiellement un, un potentiel pour, pour le Parti québécois d'aller chercher des, 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 des électeurs de ce côté-là, à mon avis. Ouais. Et Mario, la donnée qu'on regarde aussi toujours, beaucoup d'importance <coughs> c'est les francophones. Les 42 des francophones sont toujours stationnés au PQ. Oui, non, le PQ, c'est un bon sondage pour le Parti québécois, le fait de rester là, à ce niveau-là. Ouais. En même ouais. temps, c'est sûr que moi, je, je le disais là, depuis quelques jours. depuis On sent que ça plafonne. Puis, tu sais, la souveraineté n'a pas bougé non plus. Là. Malgré tout le discours très indépendantiste mmh. fort, on pensait brasser la cage et rester à 36 Avec le PQ à 34, la souveraineté à 36, c'est comme si c'est ce sentiment que tu as fait le plein. Mmh. Puis que là, tu as, à... as de la misère à trouver la, la, la prochaine marche de l'escalier pour le PQ. Parce que là, la prochaine mmh. marche de l'escalier, il faudrait que tu puisses faire monter à la fois la souveraineté et le Parti québécois. Mmh. À mon avis, ça va prendre plus. Peut-être des recrutements de, de nouveaux, euh, nouveaux personnages forts, recrutement dans l'équipe, peut-être des éléments comme ça qui vont faire bouger euh, mmh. les, euh, les choses. Bon, au fédéral, les conservateurs gagnent un point. Ce qui est frappant, Emmanuel, c'est le, le bloc lequel a le vent dans les voiles. C'est vraiment les formations souverainistes là, des, des deux côtés euh, la frontière, on la cote, <laughs> Oui, mais je pense qu'à partir du moment où euh, le Parti québécois a réussi à relégitimer le discours souverainiste, parce que je pense qu'il a réussi à le faire ça... Mmh. Mais c'est sûr que ça aide aussi à camper euh, la crédibilité. Si tu retournes au PQ, tu vas dire, ah ben je vais rester au bloc. Mm -hmm. il, y a, il, y a, il y a des vases communicants mm -hmm. là-dedans. Et je pense objectivement que le bloc a énormément bénéficié du débat des dernières semaines mm -hmm. sur les empiètements du gouvernement fédéral du côté euh, des compétences du Québec, puis dans la mesure où c'est un parti qui se présente comme le seul défenseur des intérêts, des pouvoirs du Québec, mm -hmm. etc. Mm -hmm. Mais lui qui, des fois, dans certains débats, a de la misère à... À je... définir sa légitimité ou sa crédibilité, bien là, c'est un débat qui était fait pour le Bloc québécois. Ouais, là. Ouais. Bon, alors, on ne manque pas demain les résultats complets dans le journal de Montréal et de Québec. Ça va et nous donner de l'essence. Hein. Il y a d'autres volets. Oui, oui, vraiment fascinant. Oui. Retiens-toi, Paul. On sait que tu as d'en parler. À demain. <laughs> On parle maintenant du double chapeau du député provincial, maintenant indépendant, candidat conservateur au fédéral Éric Lefebvre. Il s'est expliqué à la presse parlementaire. Euh, Aujourd'hui, il peut faire le grand écart. Hein? Il persiste et signe, Paul. Oui, il n'est pas le premier à, à le faire du côté euh, de Québec. Ce n'est pas une position euh, facile. Euh, il plaide et il a raison sur un point, l'intégrité, l'honnêteté qu'il a eu de le déclarer. Mm -hmm. Il aurait pu très bien ne pas le dire et euh, attendre encore plusieurs mois, puis comme si rien n'était. Euh, il l'a fait, il siège comme indépendant. Ce n'est pas une position con confortable. Euh, certains mettent en doute, euh, posent la question, où sera sa, sa loyauté? Euh, le vrai test pour lui, ce sera son, son, son assiduité euh, autant à l'Assemblée nationale que dans son Comme député mmh. québécois. Il est payé par des contribuables pour être député à l'Assemblée nationale. Euh, faire campagne, il n'y aura pas d'élection demain matin à Ottawa, mais M. Lefebvre devrait être très, très, très prudent dans. Ouais. Plusieurs, plusieurs Paul, ramène le, le cas de Martine Ouellette. Ouais. Hein? Et on se rappelle la conclusion de, de la commissaire à l'éthique à l'époque qui disait bon, c'est pas compatible, <laughs> mais c'est à surveiller. Là. Oui, mais c'était très différent. C'était ouais. très différent, c'est ça. C'est que Martine Ouellette jouait un rôle. Elle devait se rendre à Ottawa, exact. jouer un rôle de chef de parti, des conférences de presse. Éric Lefebvre, à Ottawa... Il n'est rien. Mm -hmm. Il n'a pas de titre. Il n'y a pas de double fonction à Ottawa. Il est quelqu'un qui veut être candidat Exactement. conservateur, qui dit je sais. Sors... Mais tu sais, aujourd'hui, quelqu'un pourrait être boulanger puis dire Moi, je veux être candidat pour un parti de l'élection fédérale, mais ce n'est pas un titre. C'est que tu mm -hmm. continues à faire ton travail ouais. en attendant. Donc, la ouais. grande il y a question, a un Paul standard, le soulever. Si C'est va-t-il va continuer oui? à faire son travail? Là? Oui, Manuel. Quand c'était Catherine Fournier, qui est restée députée indépendante à l'Assemblée nationale mm. durant de très longs mois, parce qu'elle sollicitait la mairie de Longueuil, il mm n'y -hmm. a personne qui a remis en question oui, mm -hmm. son, son intégrité, son allégeance, le fait qu'elle était payée par les fonds publics pour se faire élire ailleurs. Mais non, Catherine Fournier ouais. était jeune, était mimi, tout le monde l'aimait, donc personne n'a rien dit. Là, on a un député ouais. du Parti au pouvoir qui, en plus, veut se présenter pour les gros méchants conservateurs. Et ça, je pense que dans la logique de la dynamique partisane à Québec, ça contribue hautement euh, à la façon dont on traite ce dossier. Si on veut que les, les gens arrêtent de se baloter d'une place à l'autre, qu'on fasse une règle universelle. Ça s'applique oui. aux députés comme M. Lefebvre, mais ça s'appliquera aussi aux conseillers municipaux qui restent confortablement assis dans leur job. Avant de se faire élire au provincial. Ouais. En tout cas, M. Legault s'est pas exprimé là-dessus. Et peut va être intéressant aussi d'entendre les électeurs. Après la pause, on revient sur la décision de Honda qui a choisi de s'établir chez nos voisins en Ontario plutôt qu'au Québec. Le ministre Fitzgibbon qui a livré ses états d'âme. Restez là.